perfectionniste par pitié. Même si c'est vrai, même si c'est vrai, ne dites jamais que vous êtes trop perfectionniste. Parce que il y a 8 candidats sur 10 qui disent qu'ils sont trop perfectionnistes. Moi, j'ai fait des concours de trop perfectionnistes dans mon cabinet de recrutement où on mettait des croix. Donc, pensez à nous, pauvres recruteurs qui... je ne suis plus recruteur, mais pensez à ces recruteurs qui reçoivent 10, 20 candidats dans une journée. Arrêtez de dire que vous êtes trop perfectionniste. Trouvez un défaut qui est un vrai défaut, mais rendez-le, faites-en une qualité. Sachez que de toute façon, quand on reconnaît ses défauts, quand on reconnaît ses erreurs, c'est faire preuve, c'est ce qu'on appelle être un candidat évolutif. Un candidat évolutif, c'est quelqu'un qui est capable de dire « là j'ai péché, là je ne suis pas bon, mais voilà ce que je fais pour m'améliorer, voilà ce que je fais pour être différent ». Et c'est ça qui nous intéresse, c'est le développement autour du défaut. Donc, je suis sûre que vous allez trouver un autre défaut, sinon vous demandez à votre entourage, ils vont vous trouver un défaut.